Le programme de parrainage vient tout juste de commencer. On l'a monté, Alice Weinberg et moi, en automne 2009. On a obtenu des fonds du vice-rectorat pour monter cet ambitieux programme-là. Alors, on a une période d'environ 2 ans pour mettre en marche les éléments du programme, mais on espère que ça va continuer de manière autonome ensuite. On a fait un questionnaire à la fin du cours, à l'examen final, et il y a une vingtaine d'étudiants qui ont répondu à ce questionnaire-là, parmi les participants à l'expérience de parrainage. Et moi, j'ai été vraiment surprise de comment ils ont été satisfaits de l'expérience et à quel point l'expérience n'a pas servi seulement au cours, mais a servi aussi à créer des liens et entre les étudiants des deux communautés linguistiques, finalement. Alors, ça a servi, ont dit que ça avait servi pour l'étude du cours, donc ça a un effet bénéfique pour l'étude, le côté académique de la chose. Et ils ont aussi été satisfaits d'avoir des liens amicaux et de faire des échanges culturels. Alors, et là, on a compris qu'il y avait un besoin à l'université pour des échanges culturels de ce type-là à l'intérieur des cours.